Rien de tel qu'un bon café pour les vacances. Enfin, et un bouquin, c'est ça le plus important. Et en parlant de bouquin, j'ai lu un livre cette semaine qui risque de vous intéresser. Il n'est jamais trop tard pour éclore, de Catherine Tarré. Dedans, on parle d'un truc, les late bloomers. Ça vous dit quelque chose? Eh bien, on en parle tout de suite dans la Money Tech. Late bloomer, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est tout simple, c'est un peu un moyen de s'épanouir, je dirais même plus une mode. Certains s'épanouissent lorsqu'ils sont jeunes et d'autres prennent beaucoup plus de temps, c'est-à-dire peut-être le temps d'une vie, pour pouvoir s'épanouir. Eh bien, c'est le cas de Catherine Tarré, l'auteur, qui nous explique son histoire. Comment elle a réussi à s'épanouir et à devenir celle qu'elle devait être au fil des années. Ce qui est intéressant avec ce bouquin, c'est que Catherine ne s'est pas juste amusée à nous raconter une histoire. Elle a été beaucoup plus loin en nous faisant partager toute sa vie. Comment? Par le biais de textes, de photos, d'expressions. J'ai adoré ses nombreuses références à d'autres auteurs. Ken Robinson, Seth Godin, pour ceux qui adorent le marketing, Malcolm Gladwell, Maya Angelou et encore plein d'autres. En soi, quand on lit son bouquin, on a vraiment l'impression de vivre avec elle sa vie dans tous les moments et toutes les émotions qu'elle a vécues. Si l'on n'a pas encore trouvé ce que l'on cherche, c'est peut-être tout simplement quelque chose qui n'existe pas encore. Et dans ce cas, c'est à nous de l'inventer. Une des nombreuses citations que j'ai appréciées dans le bouquin de Catherine Tarré. Il y en a plein d'autres. C'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche, de Pierre Soulages. Il faut mourir d'une vie pour partir dans une autre, Alfred de Musset. En conclusion, un bouquin que j'ai adoré. Pourquoi? Parce que tout simplement, encore une fois, Catherine Tarré nous explique à l'intérieur qu'il n'y a pas d'âge pour éclore. Et ça, c'est peut-être quelque chose que tout le monde devrait prendre en compte. C'est ainsi que se termine la Manutech. J'espère que vous avez apprécié ce bouquin. On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un prochain ouvrage de l'été, bien sûr. J'espère que vous avez aimé. Vous pouvez aller faire un petit tour sur la chaîne YouTube pour voir les autres vidéos ou bien liker celle-ci. Ça me fera vraiment plaisir. N'oubliez pas, cette vidéo a été entièrement filmée avec un iPhone grâce à une grande réalisatrice dont je tairai le nom. Je la remercie, je vous souhaite à tous de bonnes vacances, prenez soin de vous et bonne lecture. C'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche. C'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche. C'est ce que je fais qui m'apprend ce que...